Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je veux juste dire deux mots sur le décès de Helmut Kohl, ancien chancelier de l'Allemagne, qui a été un grand homme d'État, qui a présidé sur la réunification de l'Allemagne et dont je garde de beaux souvenirs d'enfance. Je l'avais visité avec mon père quand j'étais très jeune et il a toujours été très, très gentil à mon égard. Alors, j'envoie toutes mes sympathies à nos amis allemands. I want to start by saying a couple of words of condolence and sympathy for our German friends on the passing of Helmut Kohl, a great statesman who presided over the reunification of Germany and left an indelible mark on Germany and indeed on Europe. I have fond memories of having met him as a child with my father, and I know that many Germans will be mourning his passage today. Merci d'être avec nous tous cet après-midi. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à mon ami, le Premier ministre belge, Charles Michel, qui effectue sa première visite officielle au Canada. Depuis le début de mon mandat, j'ai eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre Michel à quelques reprises, mais toujours sur le continent européen. C'est donc un plaisir pour moi d'avoir la chance de le revoir, mais cette fois sur notre côté de l'Atlantique. Les liens qui unissent le Canada et la Belgique sont nombreux. Nous partageons d'abord une langue, mais aussi des valeurs communes, comme l'égalité, la démocratie et la promotion de la paix. Que ce soit par le biais d'échanges commerciaux ou d'échanges étudiants, les ponts entre nos deux pays continuent de se multiplier et nos citoyens s'en portent mieux. C'est donc dans cet esprit d'amitié que nous venons tout juste de conclure une rencontre productive durant laquelle nous nous sommes entretenus sur nos objectifs communs. Le Premier ministre et moi sommes déterminés à travailler ensemble pour créer plus d'opportunités pour nos entreprises, à faire croître nos économies et aider la classe moyenne à prospérer et à réussir. Et nous avons déjà accompli beaucoup ensemble. Il y a quelques mois, nous avons célébré avec nos partenaires européens la signature et ensuite l'adoption par le Parlement européen de l'accord économique et commercial global, un accord historique, progressiste et à l'image de nos valeurs. Le Canada et l'Union européenne travaillent présentement à compléter les procédures pour l'application provisoire de l'ASCG. CETA, as you know, is the result of lengthy negotiations between Canada and the European Union, negotiations that were at times difficult, but always respectful. We were able to have those challenging conversations because we share more than economic interests. We share a common set of values. And the result is an agreement that will expand opportunities and create more good, well-paying middle-class jobs for Canadians and Europeans alike. It's an agreement that would not have been possible without the support of like-minded leaders, including Prime Minister Michel, and I want to thank him for his leadership in seeing CETA through to completion. Once fully implemented, CETA will reduce trade barriers and open up new markets, benefiting both citizens and businesses. Canadian families will find it more affordable to buy a wide range of products from Europe, and thanks to the EU's elimination of tariffs on 99% of Canadian exports, Canadian businesses will have greater access to one of the world's largest and most important markets. But what makes CETA a truly modern and progressive agreement is the way in which it reflects our values. L'accord comprend, entre autres, des mesures visant à protéger les droits des travailleurs et à respecter les réglementations environnementales, ainsi que des dispositions pour assurer la transparence et l'équité en matière de résolution de différends sur l'investissement. C'est donc un accord ambitieux et progressiste en ligne avec nos priorités et nos valeurs. L'ASCG n'est qu'un exemple de ce que le Canada et la Belgique peuvent accomplir lorsqu'ils travaillent ensemble.
Je suis donc impatient de poursuivre notre collaboration sur d'autres dossiers d'intérêt commun, comme la sécurité mondiale, l'aide au développement pour promouvoir l'égalité des sexes et l'environnement. Encore une fois, je tiens vraiment à remercier Charles pour cet échange productif. Merci à nous tous d'être ici avec nous ce matin et merci Charles pour ton amitié.